C'est une peinture tout à fait. Comment je la définirais, ouais. Elle est figurative, c'est tout. Ouais, elle est figurative. Elle a une démarche, ouais. C'est quand je peins, je peux peindre des portraits, tu vois, donc des têtes de gens que je connais pas, que je connais, c'est pas grave. Je prends en fait dans le sujet, je suis assez à l'aise. Je peux prendre n'importe quoi et le peindre, ça m'inspire toujours. J'ai pas un truc où ça me fait chier, ça. Non. Au contraire, je suis même attiré. Là, tu vois, c'est un copain, donc le copain, je le connais depuis des lustres. C'est pas pour ça que. En plus, lui, c'est un peintre. Donc, il fait de la peinture abstraite. Donc, c'est pas le. C'est plus le personnage. J'aime les personnages et j'aime les peintres, quoi. Voilà. Après, c'est autre chose. Hein. Quand on fait de la peinture, après, c'est complètement abstrait. C'est de la composition, c'est autre chose. Et nu, j'en fais d'après modèle et sans modèle. Là, j'ai pas de modèle, donc c'est pas grave pour moi. C'est pas ce qui va m'arrêter, quoi. Même pour les paysages, que ce soit les paysages, c'est pas parce que j'ai pas été dessiner ou faire des photos que je peux pas faire un paysage. Mais j'aime bien quand même. Revoir des lieux, j'aime des lieux rien que pour m'imprégner un peu de ce qu'est un lieu, même si c'est un champ avec un chemin, ça me suffit pour moi, c'est un truc qui est marrant et rien que ça, je peux en faire quelque chose d'autre. Voilà, ce que j'aime en peinture, c'est qu'on peut s'éclater avec n'importe quoi, surtout dans le figuratif, c'est pas. Voilà. C'est pareil, c'est un D'accord. personnage. Bon, en fait, c'est un cousin, mais je le dessine tous les ans. C'est pas un problème. C'est un homme, quoi. Et donc après, je fais une décomposition de ce que j'ai vu et j'essaie de le rendre plus abstrait et plus simple. À chaque fois, il faut rendre les choses plus simples, même que ça soit, tu vois, les bouts de meule, j'en fais que des bouts. Le ciel, j'en fais que des bouts. Pareil pour les champs ou les bouts du chemin. M'intéressait, c'était juste le personnage, quoi, un truc, l'attitude, quoi, voilà, c'est tout. Donc après, c'est plus une. La peinture, c'est une question d'énergie, en fait. C'est après, c'est dans le travail que tu arrives à faire une bonne toile ou une mauvaise toile. Voilà. Donc c'est en fait à toi de te défoncer pour réaliser ce que tu veux, surtout. Ce que tu dans la tête, parce qu'on a toujours des choses dans la tête quand on regarde n'importe quoi. Donc un peintre, c'est pareil, il a une façon de regarder et c'est à peu près ce qu'il veut donner sur la toile. Voilà. Alors, je dis pas que j'ai pas. Là, je l'ai réussi. Pour moi, je l'ai réussi. Mais bon, c'est quoi réussir une toile? C'est pas. Ah, demain, ça sera autre chose, tu vois. Là, en ce moment, je fais ça. Donc après, voilà. Faut aussi s'arrêter. Donc voilà. C'est un. Une espèce de poésie et d'énergie qui est en peinture et, voilà la peinture c'est de l'énergie qui doit être toujours présente quand on a fini une toile quoi, une peinture.